Mesdames et messieurs, bonsoir. Tel quel reprend ce soir après la pause d'été pour un nouveau bail jusqu'en juin prochain. Fidèle à notre tradition qui est de vous raconter une histoire, l'histoire d'un homme ou d'une femme qui a valeur d'exemple, nous vous proposons pour ce premier numéro de notre magazine Les Tribulations de Bernard Dumont, un artiste de 46 ans, reconnu schizophrène, c'est-à-dire fou, par erreur, lorsqu'il avait 21 ans. Cette très grave erreur de diagnostic commise par une institution psychiatrique fribourgeoise eut des conséquences dramatiques pour Bernard Dumont. Toute sa vie a été marquée par ce sceau d'infamie, inscrit entre autres sous un code sibyllin dans son livret de service. Lorsqu'on est déclaré schizophrène, on n'est plus comme les autres. Eh bien, des portes se ferment devant vous, entre autres celle de l'armée. Ce qui pour Bernard Dumont, vous le verrez, fut le comble de l'humiliation. Bernard Dumont n'est pas n'importe qui. C'est un être complexe, mais avant tout courageux et combatif. Victime d'une injustice grave qu'il ressentait confusément, il a mené un long combat de recours et de procès contre les médecins, contre les institutions psychiatriques, contre l'État, l'armée et même la justice. C'était Don Quichotte contre les moulins à vent. Pourtant, aujourd'hui, il a gagné quelques-uns de ses combats, notamment celui qui lui tenait le plus à cœur, la réhabilitation médicale, ce qui lui a permis d'intégrer cette armée et de porter cet uniforme sans lequel il ne se sentait pas un homme comme les autres. Faire reconnaître une erreur médicale et annuler un diagnostic posé 20 ans plus tôt n'est pas, vous en doutez, chose aisée dans ce pays. Yvan Dalin et Jacques Briot, qui ont mené l'enquête et reconstitué la trajectoire de Bernard Dumont, se sont heurtés au mur du silence. Malgré tout, les pièces sont là et certains témoignages sont accablants. Le combat n'est pourtant pas tout à fait terminé pour celui qui voulait, par-dessus tout, être un militaire comme les autres. Vous allez le voir en suivant avec nous l'étrange histoire du soldat Dumont. Ça, c'est M. Chupard qui m'a aidé aussi un petit peu dans ma lutte militaire. Il m'avait fait cette brochure où il y a tous les documents qui sont publiés en format réduit de ma lutte militaire. Et puis en même temps, on avait fait un jeu de loi avec des petits pots qu'on a tournés. Un jeu du casque et de l'entonnoir. Alors ça consiste à partir de Marsin, c'est les entonnoirs, c'est le symbole de la folie, les pots, on avance. Et puis, par exemple, si on tombe sur le 6, par exemple ici, c'est la schizophrénie. Alors, vous êtes reconnu inapte au service militaire sur la base d'un diagnostic de schizophrénie simple. Il vous manque des cases. Retournez au départ. Voilà, et puis alors, c'est partir d'un sens pour arriver où? Alors, pour arriver à Morges, à l'arsenal de Morges, où j'ai touché mes effets militaires. Vous y gagnez souvent, à ce jeu? J'ai gagné une fois, c'était la principale, hein. Bernard Dumont n'est pas un soldat comme les autres. Son service militaire, il l'a fait à 42 ans, pour être réhabilité aux yeux de la société qui, jusque-là, l'avait considéré comme schizophrène. L'histoire du soldat Dumont commence à sa petite enfance, à l'avant-guerre. Il est déjà beaucoup plus turbulent que ses frères et sa sœur. Et ça n'est pas du goût de son père, militaire de carrière. Mon père disait... Il faut faire ci, il faut faire ça, il est impossible. Ma mère essaye d'arranger, on va essayer encore un collège. On nous a dit que là-bas, on s'occupait mieux d'eux, ou qu'on avait le temps de s'occuper, ou que c'était des gens qui comprenaient ces cas. Parce qu'à l'époque, je crois qu'il n'y avait pas tellement, premièrement, ni psychologue, ni quoi que ce soit dans ce genre-là pour conseiller. Et puis... Ils écoutaient les conseils qu'on leur donnait de droite et de gauche. Les parents ont mis, donc Bernard m'a raconté ça, que les parents l'avaient mis au pensionnat en lui disant, si tu travailles bien, tu feras qu'une année. Et puis Bernard, pour être libéré de son pensionnat, a bien travaillé.
Et puis, au bout d'une année, on lui a dit, mais puisque tu as si bien travaillé, tu vas rester encore une année. Alors là, ça a été la déception terrible. Et puis, il a plus travaillé, il s'est révolté. Voilà ce qu'il m'a raconté. Donc, je vous le dis comme il me l'a dit. Alors, je pense que ça, ça a été aussi, ça a été un gros dégât dans sa vie. Parce que, je vous dis, pour moi, il a l'air d'un crack. Quand vous voyez le type, mais il doit être d'une sensibilité extraordinaire. Sans cesse, ils me disaient, mes parents, tu dois choisir un métier. Alors, eux, ils décidaient pour moi. Ils décidaient, ils discutaient, ils décidaient avec avec mon oncle, avec Dieu sait qui. Ils décidaient, ah oui, il serait fait pour la photographie. Alors après, ils me convainquaient que je devais essayer la photographie. Après, ils me forçaient par du chantage à aller faire un début d'apprentissage de photographe. Mais comment du chantage? Et puis quand ça marche, ah ben c'était ou bien tu fais ça, ou bien on va trouver la chambre pénale des mineurs, ou bien tu fais ça et on te fait interner à Marsens. Et après, ça marchait pas, bien sûr, parce que c'est pas le métier que je voulais faire. Et après, on me disait, voilà, il est instable. Mais regardez-le, il est instable, le pauvre petit. Et puis après, c'était dessinateur-architecte. J'ai été chez Dubé-sur-Chat architecte. Et puis après, il me fallait essayer ceci, puis il me fallait essayer cela. Mais il jamais, dans mes dossiers, mais même le docteur, il écrit dans les dossiers, il s'imagine qu'il va être peintre. Il veut être peintre, il veut être artiste. Il s'imagine qu'il a du talent. Mais talent ou pas, je m'en fous pas mal, moi. Si je veux être peintre, je vais être peintre ou bien je vais encore faire ce que j'ai envie de faire dans ma vie. À cette époque, Bernard Dumont n'a pas encore son propre atelier de poterie. Il n'est pas encore marié, bon père de famille. Il n'est pas encore sous tutelle. Il est simplement, comme on le dit, instable. Il se réveille tard le matin, est allergique aux contraintes. Il commet même quelques petits délits qui l'amènent devant la chambre pénale des mineurs et par deux fois à l'hôpital psychiatrique de Marsens à des fins d'expertise. Son père connaît personnellement le directeur de l'hôpital et pense agir pour le bien de l'adolescent récalcitrant. Mais Bernard ne voit pas les choses comme cela. Il se sent incompris. Il va se révolter. À l'âge de 21 ans, mon père m'avait interdit de sortir le soir et j'ai dit « je sors ». Et quand je suis rentré, il m'a dit « viens ici, va dans ta chambre et descends tes culottes ». Et je lui ai dit « c'est la dernière fois que tu m'as touché, tu ne me toucheras plus jamais ». Et il m'a dit « si tu viens pas ici, je t'écrase la gueule contre le mur ». Je m'excuse de dire les paroles qu'il a dites. « Je t'écrase la gueule contre le mur ». Et alors moi, j'avais acheté un petit pistolet d'alarme pour lui faire peur. C'était bien mon intention, parce que j'en avais marre, à 21 ans, de descendre mes culottes devant mon père. Et il me frappait après, ou bien avec les mains, ou bien avec la ceinture militaire. Et je lui ai dit, non, tu ne me toucheras plus. Et puis j'ai sorti le pistolet, j'ai tiré des coups en l'air. Et là, il a bien vu qu'il a eu peur. D'abord, il a eu peur, c'est sûr, il a eu très peur. Et puis, je lui ai après dit que je ne voulais plus me laisser battre. Et il me disait qu'il voulait aller appeler la police. Alors, j'ai dit, c'est inutile, ce n'est pas un pistolet. Ce n'est pas un vrai pistolet, c'est un pistolet d'alarme. D'ailleurs, regarde toi-même, tu vois bien que j'ai fait des trous à nulle part. Il était officier, il me semble qu'il pouvait quand même voir qu'il n'y a pas de balles qui sont sorties, etc. Vu qu'on était à l'intérieur de la maison. Et puis, à l'arsenal de Fribourg, on habitait. Et puis, des flics sont arrivés, m'ont plaqué par terre, m'ont emmené au poste, et m'ont interrogé, je leur ai dit la vérité. Et le président, après, ils m'ont... je ne sais plus comment ça s'est passé, mais j'ai atterri à Marsens. Bernard Dumont a 21 ans, l'âge de faire son service militaire, lorsqu'on l'interne pour la troisième fois à Marsens pour une nouvelle expertise. Les médecins la font durer 7 mois, le soumettant même à des comas insuliniques. À son insu, Marsens le déclare schizophrène à l'office sanitaire de l'armée. Au bout d'un moment, j'ai compris, je suis dans une maison de fous, quoi. Mais je comprends pas qu'est-ce que je fais, que c'est fou. On voit déjà, il y a des gens dans les mêmes chambres que nous qui font des déliriums, qui voient des petites bêtes qui montent les murs. Il y en a qui bouffent de la paille de fer et puis qui doivent amener à l'hôpital pour leur ouvrir l'estomac. Il y en a qui se pendent dans les cellules. C'est vraiment, on vit un cauchemar là-bas dedans. Vraiment, c'est 1000 fois la prison à un hôpital psychiatrique comme ça. Et puis
Heureusement, j'ai rencontré là ma première femme, qui était médecin. Donc, elle s'est pris d'amitié pour moi, elle m'a acheté des peintures, je pouvais beaucoup peindre, j'avais assez de temps pour ça. Je peignais beaucoup, elle aimait ce que je faisais, elle m'achetait des peintures, elle m'apportait des cigarettes, je fumais autant qu'aujourd'hui, si c'est pas plus. Et puis, une des trois fois où j'ai été interné, elle m'a même donné les clés pour m'évader, parce que elle avait appris, incidemment, je pense, qu'ils allaient me faire une cure d'électrochoc, et elle trouvait que c'était vraiment pas indiqué. Et puis alors là, elle m'a donné une clé, ou bien elle m'a ouvert la fenêtre, je m'en souviens plus, pour que je puisse partir la nuit. Puis je suis allé à Fribourg, et puis là, j'ai été trouver mes parents, qui étaient aussi scandalisés qu'on voulait me faire ces électrochocs, parce que semble-t-il, personne n'en était au courant. Et puis voilà. Après, je suis sorti au mois de novembre 59. Et quelques années après, en 1962, j'ai épousé la doctoresse qui m'avait aidé. Bernard Dumont s'est marié deux fois dans sa vie. La première avec la psychiatre qu'il a connue à Marsens et dont il aura une fille. Plus tard, il divorcera et il a aujourd'hui deux enfants de son second mariage. Vous êtes plaint par la suite aux autorités de ce qui vous était arrivé à Marsens? Le lendemain de mon internement, j'avais déjà déposé une plainte pénale et je n'ai jamais eu de suite de toutes mes plaintes contre ce que j'estime un internement abusif et des traitements abusifs puisque j'étais interné pour expertise. Une expertise, ça ne dure pas 7 mois. Et puis, pendant une expertise, on ne fait pas des traitements médicaux. Écoutez, le fond, je crois que c'est une histoire d'une bavure dans la psychiatrie. Ça peut arriver, des bavures. Il y a eu un diagnostic erroné qui a été posé chez lui quand il était jeune homme. Et puis, ça l'a poursuivi pendant 20 ans, 25 ans. Ce qui est intéressant de voir, surtout, c'est les conséquences que ça a eues sur... Le fait qu'il n'a pas pu faire de service militaire, le fait qu'il a été mis sous tutelle, le fait qu'il n'a pas obtenu son permis de conduire. Je pense que ça éclaire de façon très spéciale, disons, ce que c'est que d'être malade mental dans la société suisse. Dans le livret de service de Bernard Dumont, le premier diagnostic médical chiffre 250/70B, qui signifie difficulté psychologique. Bernard a 19 ans, il est ajourné. Et avant de prendre position dans l'histoire de Bernard Dumont, j'ai demandé le dossier médical. Alors le dossier médical en tant que médecin, on l'obtient de l'Institut de l'hôpital de Marsan. Et en considérant ce dossier, et en voyant ensuite, en revoyant Dumont, je l'ai revu plusieurs fois, ça m'est apparu assez clairement qu'il y avait une bulle. Quand Bernard Dumont a 19 ans, l'hôpital fait pour l'armée le certificat suivant. Nous avons constaté chez lui des troubles caractériels, de l'instabilité et une discordance entre le développement affectif et le développement physique. Quand il a 21 ans, Marsens le déclare schizophrène, ce qui est codé dans son livret de service. Ce diagnostic est daté de 59 et va lui causer un tort certain. Ce n'est que 20 ans plus tard que Dumont entend parler du docteur Birence de Haan et il le rencontre. La schizophrénie est une maladie réputée inguérissable par les psychiatres. Hein? Généralement, on ne guérit pas d'une schizophrénie, c'est pour ça que le diagnostic est si grave, c'est pour ça que quand on est étiqueté de cette affection à l'âge de 18 ans, généralement, toute la vie est orientée par cela. Ensuite, si par hasard, et c'est une maladie qui peut avoir éventuellement des rémissions, dont on ne guérit pas, mais qui peut être en rémission, c'est-à-dire quand elle dort à l'intérieur de la personne présente un contact quand même... particulier qui fait qu'on sent qu'il y a quelque chose là-dessous qui est toujours prêt à démarrer. Et le type de ce contact, c'est un contact très lointain, très distant, qui fait qu'on n'a jamais l'impression d'être vraiment proche de l'individu, et que l'individu est, un espèce de rêveur. Et c'est pas du tout le cas de Bernard Dumont. Pas du tout, du tout. Il présente un contact très chaleureux, très affectif, très violent, etc. Hein? Alors, aussi, il a une certaine violence en lui. Alors, je crois que, avec les connaissances que j'ai de la psychiatrie, on peut absolument exclure que ce garçon n'ait jamais été schizophrène.
Nous avons voulu rencontrer celui qui était directeur de l'hôpital de Marsens à l'époque où le diagnostic mis en cause a été établi. Par lettre, Bernard Dumont et son épouse le libéraient du secret professionnel. Nous lui avons téléphoné. Il consentait à parler si le département de la santé publique du canton le libérait également. Nous avons écrit au département. Réponse. Quant à la levée du secret de fonction du docteur X, je ne pourrais l'accorder que s'il m'en faisait la demande personnellement. Nous l'avons alors rappelé. Oui, madame. Oui, bonjour, Jacques Briot à la télévision. Est-ce que le docteur est là, s'il vous plaît? Il est absent. Est-ce que je peux le rattendre plus tard? Chez les proches et les institutions qu'a côtoyé Bernard Dumont, peu de gens ont été d'accord de parler. Ah, vous savez de quoi il s'agit, alors? Et vous croyez qu'il ne sera pas d'accord de parler? Il est à la retraite, oui. Il veut pas être dérangé. Mais nous nous sommes adressés aux autorités fribourgeoises et les autorités fribourgeoises nous ont dit qu'il fallait nous adresser à votre mari. Alors c'est un petit peu un cercle vicieux. Non, on ne cherche pas ça. Alors vous êtes son porte-parole. Vous dites qu'il ne veut pas parler. Vous voulez pas qu'on le dérange? D'accord. Mais je vous remercie, madame. Au revoir. Alors, le seul défaut de Bernard Dumont, on pourrait dire que ça a été de faire peur. Oui, il a fait... Oui, les gens avaient vraiment peur de ce garçon qui devait être violent, qui n'arrivait pas à expliquer son malaise, hein, qui n'arrivait pas à dire ce qui n'allait pas avec son père, et qui, comme beaucoup de nos enfants, hein, comme beaucoup de gens qu'on connaît dans l'adolescent, au lieu d'expliquer leur souffrance, l'agissent, passent à l'acte, comme ils disent les psychiatres, c'est-à-dire font des délits, se mettent à boire ou des trucs comme ça. Alors... Bernard n'a jamais pu vraiment expliquer à quel point il admirait son père. Parce que je suis sûr qu'il admirait, et d'ailleurs il le dit encore maintenant, il avait une profonde admiration pour ce père colonel, pour ce père militaire. Et il aurait voulu être reconnu par ce père. Or, il avait des talents artistiques, je pense déjà à l'époque, il était un peu bohème, il vivait beaucoup la nuit, pas tellement comme le père instructeur qui devait se lever très tôt le matin. Et tout ça fait que le père ne comprenait pas cet enfant. Et alors, il y a eu une escalade du côté de Bernard, qui a tenté absolument de faire comprendre à son père qu'il avait de l'admiration pour lui, mais le père le rejetait de plus en plus. Et maintenant, moi, ça m'est assez clair pourquoi, au fond, Bernard Dumont, sa recherche constante, c'était de réhabiliter au niveau militaire. C'est qu'en fait, d'être un militaire, c'est d'être comme le père, c'est d'être reconnu par le père comme un citoyen valable, d'être incorporé dans l'armée. Fort des affirmations du docteur Birence Dehaene, Dumont, à 41 ans, va demander de faire son service. Je demande par la présente de passer en commission de visite sanitaire et d'être incorporé dans l'armée suisse. En réponse, l'armée exige des certificats médicaux. Elle émet des réserves. Dumont n'a pas de formation militaire. Il envoie un certificat et son livret de service, qu'on lui retourne. La page qui portait le chiffre de la schizophrénie simple a été enlevée et remplacée. Un nouveau chiffre y figure, 250/70B. Difficulté psychologique. Dumont est toujours inapte. Il se fâche, il écrit. J'irai jusqu'au bout, jusqu'au scandale, jusqu'à la plainte pénale, jusqu'à la commission des droits de l'homme, etc. L'armée demande alors des certificats médicaux détaillés. Dumont envoie celui du docteur Birence Dehaene qui conclut. Il a été affligé d'un diagnostic de maladie mentale grave et traité de façon erronée. De ce fait, il a souffert et souffre encore de graves préjudices qui ne cesseront que lorsque cette erreur sera reconnue et corrigée. On accorde alors à Dumont la révision souhaitée et on le convoque pour mars 80. Pour finir, je suis convoqué en CVS à Lausanne, ouais, à Lausanne. Et puis là, une commission me dit, bon, eh bien, c'est terrible ce que vous avez vécu, monsieur Dumont. Alors on va vous incorporer, qu'est-ce que vous voulez faire? Et puis j'ai dit, ben moi je ferai ce qu'on me dit de faire. Le 26 mars, Dumont est considéré apte au service complémentaire. 21 ans plus tard, l'armée révise donc sa première décision. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Ils m'ont incorporé dans une unité, là, que
que j'ai appris par la suite par un officier qui m'a dit « Mais vous serez jamais dans cette unité, vous serez jamais convoqué pour faire du service. » Alors moi, j'ai dit que je voulais faire du service actif et j'ai insisté. Pour finir, on m'a incorporé dans la compagnie lourde fusillée 809. En août 80, Bernard Dumont est définitivement incorporé comme aide-cuisinier dans l'armée suisse. Le même jour, il exige au plus vite ses effets militaires. L'administration lui demande de patienter. Le 10 septembre de la même année, il reçoit l'ordre de se présenter à l'arsenal de Morges. Il se plaint. Là, j'ai appris que j'aurais pas de fusil. Alors en entrant au service militaire, j'ai tout de suite demandé un entretien avec mon capitaine, si je me souviens bien, puis j'ai dit que j'étais un soldat frustré, que j'ai pas de fusil, que j'aimerais avoir une instruction au tir. Alors non, il m'a dit que je ne pouvais pas avoir de fusil parce que je n'avais pas eu d'instruction au tir. Alors je lui ai dit que j'aimerais une instruction au tir et il me l'a donnée. Il vous surprend à quel titre, Bernard Dumont? C'est cette opiniâtreté qu'il a eue depuis, je crois, depuis l'âge de 20 ans, à lutter, à s'accrocher, à cette volonté, disons, de pouvoir faire service, d'être considéré comme un citoyen. Il a des droits et des obligations, et il paraissait frustré, il lui a manqué quelque chose, le fait de n'avoir pas pu faire son service. Il en a eu une récompense peut-être petite, faire un cours de Landsturm à 41 ou 42 ans, mais enfin, il est quand même arrivé à atteindre son objectif. J'étais heureux, je me sentais enfin un citoyen comme tout le monde. Enfin. J'étais heureux, vous ne pouvez pas savoir comment. Le soldat Dumont aime l'uniforme militaire, le tir et les armes. Il a habité une grande partie de son enfance dans un arsenal. Il est bon tireur et a quelques médailles. Il suit même des cours pour devenir instructeur dans cette discipline. Son père, décédé aujourd'hui, serait peut-être fier de lui. Nous ne vous avons pas tout raconté. Les multiples démarches de Bernard Dumont pour faire lever sa mise sous tutelle, ou pour pouvoir passer son permis de conduire, ou encore, après le décès de sa première femme, pour obtenir l'autorité parentale sur sa fille. Tous les ennuis que lui causèrent deux chiffres trop vite marqués sur un petit carnet gris. Écoutez, je crois que c'est un cas extrême, l'histoire de Bernard Dumont. Un cas aussi extrême que cela, c'est quand même relativement rare en Suisse. Je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'il met le doigt sur certains
certaines bavures qui peuvent exister tout au long de l'histoire de n'importe quel malade mental. Et je crois que ce qui est particulier alors avec Bernard Dumont, c'est que Bernard Dumont s'est jamais laissé écraser par ce diagnostic et par ce stigmate et qu'il a toujours lutté. Et de, malheureusement, d'autres patients qui ont aussi été soumis de façon injuste, je crois, à la psychiatrie, ne peuvent plus lutter, ne peuvent plus se défendre. Sont au fond écrasés par cette histoire, puis se laissent gentiment convaincre que peut-être il y a quelque chose qui ne joue pas dans leur tête. Vous savez, le plus dur, c'est de, quand on est marqué par la psychiatrie, c'est de se dire, mais après tout, je ne suis peut-être pas si fou quand même, j'ai peut-être le droit de dire des choses. Et je crois que le courage et la particularité de Bernard Dumont, c'est d'avoir cette bagarre tout le long. Le militaire m'a incorporé, je trouve scandaleux qu'à... qu'à mon âge, avec ma vie, ce que je fais aujourd'hui, qu'on me refuse l'autorité parentale sur ma fille. Vous vous battez pour ça aussi? Mais bien sûr que je me bats. C'est toujours ouvert. C'est toujours un procès à Neuchâtel. J'attends. Il se passe rien. J'attends depuis maintenant bientôt 2 ans, je crois. J'attends. Ils ont fait une enquête et j'attends. Pas de résultat. Rien ne se passe. La même chose qu'avant, en somme. C'est de nouveau la même chose qu'avant. Le silence. On se croirait en Corse, on se croirait en Italie. Moi, je vois la mafia. On dirait la mafia, des trucs pareils. C'est vraiment la loi du silence. C'est le silence partout. Ils disent rien. Ils refusent de prendre des décisions. C'est le sommet, c'est aberrant, des trucs pareils. On se croirait en URSS, on se croirait au Goulag. C'est Victor Hugo, c'est tout ce qu'on veut, une histoire pareille. Mais c'est un monde. Thank you.